Thomas Krief. Voilà, il a 20 ans, c'est un... le profil du sportif doué, donc un peu feignant, voilà. Et ça le dessert pour l'instant, mais il... enfin voilà, il progresse malgré tout, il est très fort et il lui faut encore quelques années pour être au top. Toto, c'est vraiment quelqu'un de très très talentueux pour moi. S'il avait le mental de Kevin et l'acharnement de Kevin, ce serait sans aucun doute le meilleur skieur de la planète. Pierre Guyot, que pensez-vous faire cette année pour vous surpasser en quelque sorte? Disons que moi, si je suis là, c'est surtout pour les élections municipales, hein, plus que pour la ride. Parce que je me suis présenté à la mairie de M avec le père de Petit Ben. Thomas Krief, très doué. Il a souvent besoin de moins d'entraînement que les autres pour y arriver. Thomas, ouais, c'est un peu le talent, mais il est souvent assez saoulé, mais il est talentueux. C'est vrai que j'ai tendance à être assez feignant, je bosse de plus en plus, mais voilà, ça me prend du temps. Ça a été une saison assez difficile, ouais, alors que je pense que c'était la saison où j'étais sûrement le plus prêt techniquement depuis le début de ma carrière. Mais plein de petits problèmes, des problèmes de genoux, des problèmes d'épaule. Toujours des petites merdes qui ont fait que j'avais pas pu être à 100% tout le temps. À fond vers l'année prochaine, X Games, championnat du monde, j'ai ma médaille de bronze à défendre. Et pourquoi pas aller en chercher une encore plus belle, j'espère bien. Mais voilà, toujours sur les rails, voilà, cette saison elle m'a fait grandir et elle m'a pas du tout découragé. Au contraire, elle m'a filé encore plus les crocs. Donc voilà, je suis toujours à fond.